David Benaradi, je travaille à l'IME de Châles-les-Orages, l'IME Le Bourget, auprès des enfants en situation de handicap depuis, je ne dis pas la date, hein, depuis 1997. Puis le confinement de l'IME est fermé. Je me suis prêt volontaire pour venir travailler au foyer femme du Noiret. Comme ça, ça me permettrait de revoir certains jeunes qui sont passés à l'IME. Et ma surprise, quand je suis arrivé, je me suis retrouvé avec certains adultes qui sont maintenant presque à la retraite. Et ça, ça m'a un petit peu ému. Dès que je suis arrivé, tout le monde m'interpellait, Rachid. Donc ça m'a vraiment touché. Et puis, c'était fort. Donc voilà, c'est vrai, effectivement, je les ai connus quand ils étaient plus actifs, plus dynamiques, plus présents. Et puis, quand j'arrive ici, donc avec l'âge, donc il y a des choses qui ont changé. Et c'est ça qui m'a un petit peu touché. Une semaine qui nous ont expliqué leur travail. Donc nous, on a essayé de s'adapter à eux, parce que c'est vrai, c'est pas le même rythme que l'IME. Nous, l'IME, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses, d'activités, beaucoup de choses dynamiques. Ici, la plupart, ils ont déjà travaillé. Actuellement, ils ont tout donné, donc ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Le travail, c'est maintenir leurs acquis et essayer de les accompagner dans la vie quotidienne. C'est un peu compliqué parce que avec le confinement, donc la distanciation et tout ça, donc c'est pas évident ni pour nous ni pour les adultes. D'autant plus les adultes, ils ont besoin de certains, hein, pas tous, hein, qui ont besoin de nursing, qui ont besoin qu'on s'occupe de leur toilette et tout ça. Donc, ma peur, c'est de le ramener ici, vu qu'ils sont confinés. Ça, c'est quelque chose, c'était une angoisse pour moi. Donc les choses se sont très bien passées. La preuve qu'on a passé presque un mois et demi ici sans aucun problème. Merci à toute l'équipe ici, hein, les cadres, les collègues, les infirmiers, les soignants et tout le monde, parce que c'est vrai, ils nous ont donné l'envie de collaborer, de travailler, d'échanger nos façons de voir les choses. Et ça, c'était pour moi, c'était quelque chose de très important. Et ça va me permettre de travailler là-dessus, justement pour accompagner certains jeunes qui sont orientés ici. Donc ça, c'est très important. J'ai dit à certains jeunes que j'ai croisés, comme je vous ai expliqué au départ, ça je ne m'attendais pas. J'ai vu qu'il y avait un suivi, et puis qu'ils ont beaucoup progressé par rapport à leur trouble de comportement, leur bien-être. Et ça m'a... j'étais très content pour eux, quoi. C'est effectivement, ça c'est quelque chose de très, très,